Aujourd'hui, on est samedi 4 janvier, il est 9h50. Je me suis levée à 4h du matin ici. Attendez, ça va rentrer chez moi. Je me suis levée à 4h. Et là, j'étais partie chez ma voisine, on discutait. Et en même temps, j'ai mis le vlog à charger chez elle. Donc, a priori, vous aurez des vlogs. Et là, je vais rejoindre ma petite famille. On va petit déjeuner et je vous récupère un peu plus tard. Je vous reprends, Laïna dort encore. Je suis en train de mettre cette crème et c'est la crème Apaisil. Donc en fait, c'est quand on se fait piquer par les bêtes. Et j'ai acheté un répulsif qui a absolument pas fonctionné. J'en ai mis sur tout mon corps. On dirait que j'ai hydraté mon corps avec du Nivea en fait. Mais j'ai pas le choix. Et du coup, là pour le petit-déj, en fait, il y a notre voisin qui va nous ramener du pain avec des gâteaux salés qu'on va manger en guise de petit-déj. Pour les Mauriciens qui connaissent, c'est du pain gâteau pima. Donc là, on attend. Et puis c'est tout, on est posé. Puis on fait le plan d'aujourd'hui. On va sortir. Il y a des moustiques, ça me rend fou. Là, il y a un moustique devant. On va aller à la mer comme d'habitude. Inaya, elle est venue depuis hier, mais elle a des habitudes. Hein. Donc écoutez, là pour l'instant, c'est quand même repos. J'ai une fois de plus pas beaucoup dormi. Je pense que je me coucherai tôt ce soir et puis c'est tout. Toi non plus, mon frère. Et oui, il faut aussi que Ali aille prendre une puce internet. Il va y aller avec mon voisin en moto. Parce que en voiture, là où il y a les puces, en fait, c'est au niveau du centre-ville et c'est bouché à mort, on est samedi. Donc voilà. Tu peux danser. En fait, je ne vous ai pas pris cet après-midi parce que après déjeuner, on est parti à la plage. Comment tu as appelé les caméras ? Choisi. Donc la première place est mon choisi, je vous l'aurais sûrement écrit précédemment. Et là on est à la cuvette. Donc là c'est la cuvette, c'est pas très très loin de mon choisi. Et on s'est déjà baigné tout à l'heure et là on repart se baigner. Et en fait c'est vraiment blindé en ce moment parce que bah, en fait à l'île Maurice là il y a beaucoup de monde qui sont en congé jusque lundi. Et donc tout le monde profite et là ça va, on a quand même réussi à trouver une petite place pour aller se baigner. Donc là je vais repartir dans l'eau, les enfants ils sont en train de kiffer et du coup voilà, je vais kiffer avec eux et puis je vous reprends un peu plus tard. Après la plage, je pense que vous m'entendez très très mal, il y a beaucoup de bruit. En gros, on est venu dans un petit centre commercial, on va faire quelques petites courses à Super U et ensuite on va aller dîner. Tout simplement, il y a plein de petits restos, donc voilà, on va voir ce qu'on mange. Les filles sont KO techniques, on a tellement nagé, c'était vraiment trop trop bien. L'eau était limite chaude, c'était vraiment un kiff. Et donc voilà, là on est juste KO de fou et on a carrément trop faim. Donc j'attends juste que mes parents là ils prennent un café à emporter et ensuite on fait les courses et on va dîner. Et je vais cumuler ce vlog avec celui d'hier. Hier en fait on était trop KO, on s'est lavé dans deux plages différentes et du coup on a passé beaucoup de temps dans l'eau, c'était trop bien, l'eau était chaude carrément. Bref, je vous ramène pour une nouvelle journée.
Bon, là, je vous retrouve, j'arrive pas du tout à vous prendre en vlog. On s'apprête à sortir pour repartir à la plage où on était hier. Et on va juste passer à acheter des petits trucs avant à manger. Et c'est compliqué de vous prendre. En fait, je suis là, mais je fais que de sortir. Je vais chez les voisins, je ressors, je vais à la boutique, je fais des trucs, je reviens. Et donc voilà, cette nuit, ça a été un peu catastrophique parce que je me suis fait vraiment bouffer par les moustiques. Or que j'avais la prise anti-moustique et tout. Mais cette nuit, il y a eu un peu tempête, orage et tout. Et donc, quand c'est comme ça et la fenêtre était un petit peu ouverte, ben, c'est la cata, tout rentre à l'intérieur. Donc j'utilisais ça, c'est supposé repousser les moustiques, donc ça coûte 10 € en pharmacie en France. Ça fonctionne pas du tout, je suis vraiment dégoûtée, c'est répulsif. Et non, ça c'est mon médicament pour mon aft, parce que j'ai un aft de fou, j'arrive même pas à manger. Et bref, il y avait une autre pommade, ah c'est celui-là, Apaisil. Donc ça c'est supposé apaiser les boutons et tout. Mais en fait moi ça me fait des bosses parce que je supporte pas du tout en fait les piqûres de moustiques. Ça me fait des bosses et après ça devient bleu, vert et puis ça part. J'en ai partout. Donc là bref, il fait ultra chaud, il fait super lourd. On s'en va à la plage, on est en train de préparer nos affaires. Et voilà, je vous filme des images dès que je peux. Et puis ouais, c'est vraiment décousu mais c'est vraiment très speed quand même ici. Donc voilà. Bon les filles, je suis vraiment vraiment désolée, je vous reprends bien plus tard. Je vous ai pas oublié, hein, j'avais pris ma caméra et tout, sauf que je l'ai pas du tout sortie. En fait on est parti à la plage, c'est exactement la même que hier. Et bon, je me suis dit que j'allais pas vous montrer deux fois la même chose. Et quand on est parti à la plage, je me suis dit que je vais me baigner et tout et je prendrai le vlog après. Sauf que il a commencé à pleuvoir, donc ça allait au début, on est pas marché dans l'eau, l'eau était ultra chaude. Sauf qu'après bah, il a commencé à pleuvoir des cornes et là on est rentré, on devait sortir dîner, finalement on n'y va même pas. On va se débrouiller avec ce qu'il y a à la maison. Et ici quand il pleut, il pleut vraiment, ça fait pas semblant, c'est des pluies tropicales. Et du coup ça inonde en fait partout. Et donc c'est très très compliqué parce que ici tout ce qui est évacuation, c'est pas ouf. Il n'y a pas d'égout et tout ici, l'évacuation c'est compliqué. Par exemple, vous savez que chez nous, là on va devoir au bout d'un moment pousser l'eau avec des trucs pour pousser. Parce qu'autrement ça s'accumule dans le jardin. Enfin bref. Je vais aller me démêler les cheveux, m'hydrater un petit peu la peau et tout, et puis je ferai soirée tranquille à mon avis à la maison. On avait prévu de sortir ce soir également, genre beaucoup plus tard, un peu avant minuit, mais là on verra, mais je pense qu'il pleuvra, il pleuvra encore en fait d'ici là. Bon là je reprends, je viens de terminer de monter le vlog, donc des deux derniers jours. Le vlog est quand même ultra mince et ultra court. Aujourd'hui je vous ai pris pour vous parler à plusieurs reprises dans la journée, mais je ne vous ai absolument rien filmé comme image en fait, mis à part la pluie de fou qu'il y avait. Je suis désolée, j'ai encore beaucoup de mal à prendre des repères et en fait je suis tellement à fond dans mon truc. Et ben je crois que ben, j'ai du mal à prendre la caméra et pourtant je kiffe. Donc je vais faire un effort. Et je vais essayer à partir des prochains vlogs d'être plus assidue, que vous ayez des vlogs plus complets, comme je vous disais, des plus belles images et tout. Là j'arrivais pas, mais je crois qu'il y avait aussi la fatigue des derniers jours qui jouait. En plus je suis pas malade, mais j'ai un aft de fou depuis Paris et en fait ça va qu'en s'empirant. C'est compliqué de manger et il y a tellement de choses ici en fait que j'ai envie de manger aussi et je peux pas. Et donc bref, j'attends vraiment qu'ils partent, mais ça met un peu mal, ça m'empêche même de dormir pour vous dire. Et donc voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ce que je trouve ouf sur l'île. Mais pas vraiment comme je vous disais en tant que touriste, je crois que je vous en ai déjà parlé, je sais plus, sur Snap ou je sais plus. Mais en gros, en tant que, bah, en tant que personne qui vit ici, tout ce qui est local, tout simplement. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu parce que moi c'est ce que je trouve le plus beau sur l'île. C'est pas forcément le côté touristique et le côté qui est un petit peu plus superficiel, mais c'est vraiment plus l'île en elle-même qui est vraiment dingue. J'ai encore plein de trucs que j'ai envie de faire, faut vraiment que je m'organise. Avec Ali on s'est dit que ce soir on allait se faire un vrai planning, histoire d'être d'être calé au niveau des jours et de savoir ce qu'on fait, avec qui, etc. Et je veux pas laisser une seule journée se perdre parce que voilà, j'ai envie de profiter à fond. Mais à fond. Et là ce soir, heure locale ici, sera minuit quand il y aura le match du PSG. Donc on va juste regarder ça tranquillement avec Annie. Et puis voilà, les filles font dodo déjà. Et moi je termine ce vlog, je vais les plaider en même temps. Et maintenant j'ai de la connexion à la maison, donc ça c'est plutôt ouf. Et puis j'aurai pas besoin d'embêter ma voisine, que j'avoue. Mais en fait je dis ça, mais je débarque quand même à n'importe quelle heure chez eux. Genre quand je me lève le matin, j'attends un peu et je débarque chez elle. En pleine journée je débarque chez elle. Avant de sortir, je débarque chez elle. Et puis généralement je l'embarque avec moi et je fais que ça, faut que j'arrête.
Tout à l'heure, c'est ce que je disais à Ali. En plus, je suis trop relou. Genre, je suis en vacances et H24, je suis là, je toque. Ah, vous faites quoi? La meuf trop chiante. En fait, c'est juste que j'ai pas. Enfin, je les vois pas souvent. Donc, quand je les vois, j'ai envie d'être avec eux tout le temps. Donc, voilà. D'ailleurs, Yus, si tu passes par là. Bref, je vais monter ce vlog. J'espère quand même que ça vous aura plu. Et je vais essayer de vous montrer encore plus de choses. Et là, le temps est gris. Il fait super chaud, mais c'est gris. Donc, à voir comment ça donne en caméra, etc. Et voilà, j'espère quand même que vous avez kiffé avec moi. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous remercie encore une fois de mettre des likes. Je sais que je vous le rappelle pas pendant le vlog et que je le rappelle souvent juste après le vlog. Mais merci du coup. Mettez des petits likes, ça fait toute la différence. Et voilà, la famille, elle est en train de s'agrandir. Ça me touche énormément et ça me fait kiffer. Et j'ai l'impression de rêver parce qu'en fait, je suis en vacances et j'ai l'impression que tout ce qui se passe ici, c'est ouf. Même voilà, même mes aventures avec vous. Alors merci beaucoup, vous êtes trop des amours et vos commentaires, vous êtes trop mignons, vous êtes trop chou, c'est un truc de dingue. Vous êtes tellement bienveillants. Je suis trop reconnaissante d'avoir des gens comme vous en fait, tout simplement qui me suivent. Et merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours et vous me faites trop kiffer. Merci, merci, merci. Du coup, bref, je vous dis peut-être pas demain, mais après-demain.